Louis XIV était roi, mais l'État, c'était lui, Mazarin. Dans l'ombre du jeune roi Soleil, il gouvernait la France. Et pourtant, un mystérieux prisonnier fit trembler ce ministre tout-puissant. Le masque de fer. Je n'ai qu'un but, m'évader. Ramenez-le vivant! Vivant! Et masqué! Ramenez-le-moi. Mort ou vif. Mais plutôt mort que vif. Mais quel crime ai-je donc commis? Vos yeux et votre bouche, je les aime. Parce qu'ils sont ceux d'un malheureux garçon voué à la prison éternelle. Parce qu'il a le malheur de vous ressembler. Vous voulez parler du masque de fer, hein? Quel était son secret? Le masque de fer, l'énigme la plus stupéfiante de l'histoire. Cet intrépide cavalier surgit de sa légende, vient-il combattre à ses côtés? 2 contre 10, ça me plaît. Mon Dieu! D'Artagnan, vous l'aviez reconnu. Éminence, monsieur de Turenne qui m'envoie. Messieurs les mousquetaires, à l'assaut! Mais mes scrupules! Mais des scrupules, madame, à notre époque, mais capitulez, madame! Votre jupon vous tiendra lieu de D'Artagnan! D'Artagnan, tel qu'en lui-même, enfin, le cinéma le change. Monsieur d'Artagnan, vous avez été merveilleux. Ah, si vous m'aviez vu, il y a 20 ans. Eh bien, 20 ans après, je vous trouve... Un homme auquel personne ne résiste. Et maintenant, à quel tour? Ah, mademoiselle de Saint-Marc, vous l'avez bien... Ni les femmes, ni les traîtres. Le roi est acquis, il faut enlever le roi. On a perdu le roi. Le sort du monde est en train de se jouer, mais cette fois, il se joue avec talent grâce à l'interprétation de Jean Marais. Un D'Artagnan séduisant et surprenant. De Claudine Auger. Nup. De Gisèle Pascal. Et le voilà en train de se battre. De Jean Rochefort. De Philippe Lemaire. De Sylvain Cossina. De Enrico Maria Salerno. De Noël Roquevert. Oh, que vous me faites plaisir, monseigneur. Et de Jean-François Poron, le masque de fer. Saura-t-on jamais qui fut cet homme? Oui. Vous le saurez bientôt en venant voir le masque de fer. Et c'est dans la bonne humeur que vous l'apprendrez grâce à Henri Decoing, un maître de la comédie qui s'est frappé l'histoire au coin du bon sens, de l'humour, des stocks, de taille, de cap et d'épée. Grâce aux scénaristes Cécile Saint-Laurent et Gérald Devriès. Et grâce à D'Artagnan. Prochainement, un grand film d'aventure d'un genre nouveau, Le Masque de Fer.